Donc, pour installer nos filières dans le porte-outils, c'est important de ramener la vis et le petit bras qu'on voit à l'écran vers soi. Il faut s'assurer que le chemin de clé n'est pas dans les trous. Donc, on voit là, présentement, il y a comme un petit chemin de clé. Il faut s'assurer que c'est libre. C'est ça qui va nous permettre qu'on puisse insérer nos filières à l'intérieur. Nos filières sont numérotées de 1 à 4, donc chaque filière va dans son numéro sur le porte outils. Très important de mettre les bons numéros aux bons endroits. Donc, on va venir l'insérer, on le glisse à l'intérieur. Il y a une petite ligne qui nous indique où arrêter. On vient juste mettre la ligne vis-à-vis -vis, le, le, le bord du, de l'outil. Si on voit bien que j'ai mon, mon filière 2 avec la petite ligne, on vient faire la même chose. Donc, on fait la même chose avec les quatre filières. Si jamais on a de la difficulté à la à rentrer, ça pourrait arriver des fois qu'en manipulant le porte-outil, bien que mon chemin de clé aille bouger un peu, on fait juste rebouger la vis et puis on. Il devrait. Les, les filières devraient rentrer facilement à l'intérieur. Quand vous avez terminé d'installer les quatre filières, il faut s'assurer. Euh, qui ne tomberont pas. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tasser ma vis un petit peu. On vient la serrer juste un petit peu. Dans le fond, ça, ça fait, en, ça fait en sorte que mes outils vont rester en place. Puis, on vient le mettre à sa place. Donc, on fait sûr qu'elle elle, elle est bien rentrée à sa place, qu'elle est bien au fond. Et puis, euh, tout, tout ça va faire en sorte que ça va fonctionner parfaitement. Donc, nous, on travaille avec du tuyau de trois quarts. Donc, il faut s'assurer d'enligner les euh, deux lignes vis-à-vis -vis vers le trois quarts, c'est ce qui va faire en sorte qu'on voit le bon diamètre de filetage de mon tuyau. Une fois qu'on est là, on fait juste serrer la petite vis, donc ça va faire en sorte que ça tient à sa place. On vient installer notre tuyau dans le mandrin, donc on visse, et puis quand on, on s'assure qu'il est bien au milieu, puis quand on est bien à côté, on fait juste donner des petits coups comme ça, ça fait en sorte que mon tuyau, il va être fixe. Assurez-vous d'avoir de la place pour travailler en masse avec vos outils quand vous installez votre tuyau. Ensuite, on installe le coupe tuyau. Le coupe tuyau, c'est la même chose que dans le filetage manuel. On s'assure que mon tuyau est entre les deux rouleaux. Donc, ici, j'ai mon bouton pour mettre d'avant ou de reculons. Dans le cas du coupage, on s'en fout un peu. C'est pas important dans quel sens qu'on est. Dans le filetage, oui, il faut s'assurer qu'on est bien d'avant. La pédale qui est là s'assure à faire tourner mon mandrin. Puis, ben, quand on est prêt à couper, on appuie sur la pédale. Puis, c'est la même chose que tantôt dans le filetage manuel. Donc, on tourne, on donne environ un quart ou un huitième de tour. Faut que ça soit facile, sinon on va casser le couteau. Jusqu'à temps que mon petit bout tombe dans le panier, dans le fond de la machine. Si je vous montre qu'il y a de l'huile de coupe qui tombe. Donc, cette huile de coupe-là, s'en va directement dans la filière. Quand ma filière est debout, il euh, n'y a pas d'huile qui va dedans. Quand on la baisse, elle est là. Et l'huile de coupe se trouve, dans le fond, sous le petit bassin. Donc, si vous n'avez plus d'huile, il faut en rajouter à cet endroit. Donc là, on va rajouter les bavureurs. Les bavureurs, c'est un petit couteau, dans le fond, pour nettoyer l'intérieur du tuyau. Comme qu'on a vu dans le fétage manuel, sauf que celui-ci est fixe à la machine. Donc, on vient le mettre à la bonne longueur, on vient pousser un petit peu avec le chariot, pas besoin de pousser fort, juste une petite tension pour venir couper euh, les, les résidus à l'intérieur du tuyau. Il faut que ton mandrin tourne sur le bon côté, car si tu ne tournes pas sur le bon côté, bien, ça ne coupera pas parce que les dents sur le, les bavureurs sont seulement sur un sens. Donc, il faut vraiment être sur un côté, le bon côté qui est l'avant. Une fois qu'on est prêt, donc, on redescend mon porte-outil, donc, pour faire mes filets. On descend le bras, donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça ferme mes couteaux. Donc, tu t'assures que tu es d'avant, que ta machine est d'avant, puis tu appuies une petite pression avec tes mains sur le chariot, donc, pour faire avancer tes filets. Ça ne sert à rien d'y aller trop fort. On y va, une petite pression constante, puis on laisse la machine faire le travail. On va apporter mon tuyau, Égale à mes filières, donc à mes couteaux. Puis dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'aller de reculons. Okay, cette machine-là est conçue pour ça. Une fois qu'on a fini, on l'envoie de reculons juste pour casser les copeaux, les derniers copeaux. Ensuite, on peut ouvrir mon petit bras, donc on vient dégager mon tuyau et mes filets sont faits sur mon tuyau. Puis dans comme dans n'importe quel. Moment, quand on fait du filetage, on devrait toujours essayer nos filets. Donc, on vient prendre un raccord puis on l'essaie manuellement. Il faut faire attention, des fois, ça pourrait arriver que c'est le raccord qui n'est pas, euh, pas bon. Donc, on peut l'essayer de l'autre côté ou un autre raccord euh, pour s'assurer que c'est vraiment mon tuyau qui est bon.